que du gouvernement français, mais ne nous trompons pas. Nous ne considérerons jamais les Russes comme nos messies parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et si la Russie nous déçoit dans le futur comme la France nous déçoit, nous combattrons la Russie comme nous combattons l'oligarchie française aujourd'hui. Dans nos pays, à toutes celles et ceux qui ne veulent plus que l'oligarchie française fasse la pluie et le beau temps dans nos pays. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus de militaires français qui sont présents sur nos sols pour sécuriser l'accès aux ressources, mais qui ne sont pas présents sur nos sols pour lutter contre un terrorisme que l'Élysée et les autres chancelleries occidentales ont provoqué. À toutes celles et ceux qui veulent d'un monde juste, d'équité, d'égalité, où il n'y aura pas de domination des blancs sur les noirs ou des noirs sur les blancs, mais simplement la domination de l'équité, de l'égalité, de la dignité, de la justice. Je vous passe la paix. Mais il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut obtenir de paix sans obtenir justice. Je vous l'annonçais il y a quelque temps de cela, il y a quelques jours à peine, et si on va aller plus loin, il y a quelques années déjà, par l'intermédiaire du livre « L'Afrique libre ou la mort ». Mais je le reprécisais encore plus, de manière encore plus claire, il y a quelques jours, il y allait avoir une montée en puissance de notre contestation. Et je dis bien notre contestation parce que c'est une démarche globale de la mouvance panafricaniste, de la mouvance patriotique, de la mouvance anticolonialiste qui veut un monde différent de celui que l'hégémonie occidentale nous impose. Les militaires français, depuis leur arrivée dans nos pays, a fortiori, après la déstabilisation de la Libye, n'ont apporté que désolation, n'ont apporté que déstabilisation, n'ont apporté que pillage, n'ont apporté que la sécurisation pour leurs propres intérêts à l'accès aux ressources, mais n'ont en aucun cas fait reculer le terrorisme. Il faut qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Nous reconnaissons que certains sont morts, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, la guerre, ce sont des puissants qui appellent les autres à aller mourir pendant que eux ne risquent rien. Et donc il y a des gens parmi les militaires français qui sans doute ont cru agir en défendant la justice, mais ils étaient manipulés par les intérêts des multinationales et de l'oligarchie occidentale. Nous devons être capables de le dire. Notre combat n'est pas un combat contre les Français, n'est pas un combat contre les Blancs. C'est le piège que l'Élysée voudrait nous tendre, mais ça ne marchera pas. Nous n'appelons à aucune violence contre des citoyens français. Mais nous nous attaquons au néocolonialisme matérialisé par la France-Afrique et les officines françaises qui agissent en sous-main pour déstabiliser nos pays. Nous n'appelons pas à la violence, mais nous appelons à l'intelligence. Et quand votre terre-mère se fait braquer par tout le monde et en priorité par l'oligarchie française, votre responsabilité, c'est d'agir de telle sorte de protéger votre terre-mère qui se fait braquer. Dans la Russie, nous ne nous couchons devant personne. Mais nous déclarons le droit pour notre propre population de décider de manière mature ce qui est bon pour elle. Si nous voulons changer d'alliance et de partenaire, nous avons le droit de le faire. Mais je le dis pour les Russes.